On trouve de très bonnes chaussures d'haltérophilie pas chères. Moi, j'aime pas les chaussures d'haltérophile, mais bon. En plus, pour la muscu, je trouve que c'est un peu glissant. Ah ben, pour faire les jambes, peut-être, ouais, mais comme chaussure, un peu passe-partout, si tu veux pas avoir 200 paires de pompes. Après, il y a deux types de chaussures pour le squat, la presse, etc. J'avais déjà expliqué. Les chaussures complètement plates, ce qui est assez bizarre. Alors, c'est Inzer qui fait ça. Les chaussures complètement plates, à semelle plate, ça veut dire que tes doigts de pied sont placés au même niveau que ton talon, ce qui est très bizarre au début quand tu marches. Et où les chaussures, au contraire, qui sont rehaussées au niveau du talon, avec une rehausse extra haute. Donc après, c'est à toi de choisir des deux, dans quel camp t'es par rapport à un travail par des cuisses. Parce que l'avantage des plates, c'est que t'épargnes un peu plus tes genoux. Ramaleos, les meilleurs. Je ne sais pas ce que c'est, Ramaleos. Aurais-tu des conseils donnés pour l'achat de mon prochain banc de muscu? Je pense que ce genre de matos, conseil de meilleur. Ben, le problème, c'est que autant je connais, entre guillemets, donc je m'intéresse au matériel professionnel, autant le matériel de maison, je ne connais pas trop. Donc, et j'ai même un mec qui s'était énervé un jour quand je lui ai dit que je connaissais pas trop le matériel de maison. Et il a cru que je l'avais juste rembarré et il avait fini par m'insulter. Mais le problème, c'est que le matériel pour home gym, ils sont très peu sur les salons. Donc, comment veux-tu les tester? Et encore, les tester, du tester du home gym une fois, disant tiens, c'est bien, ça te dira rien du tout, ça te dit pas si ce sera solide dans le temps. Ce qui est important aussi, faut et du bon matos et qu'il va pas te lâcher ou qu'il serait dangereux. Parce que imagine que le banc il se pète en 10 alors que tu es au développé couché. Donc, je connais pas, même à l'essai. Comme ça, rapide, le home gym, et encore moins à long terme pour savoir comment ça évolue, est-ce que c'est solide, etc. Mais tu vois, connement, je pensais que Internet, ça allait donner des astuces sur ce genre de choses, que les gens allaient se dire, communiquer entre eux, moi j'ai tel matos, j'ai rencontré tel problème, ça c'était bien, etc. En fait,
Il n'y a personne qui aide l'autre. On essaie de te revendre un. Tout le monde essaie de te revendre un truc, à pleurer pour des likes, et puis ou des programmes, ou de te vendre un truc et un machin. Donc c'est pour ça que c'est quand même ma grosse déception d'Internet, parce que je pensais que une intelligence collective allait ressortir de tout ça, justement pour, par exemple, répondre à ce genre de questions. Parce que si on prend toute la communauté culturiste, je pense qu'on arrivera à trouver une réponse. Parce qu'il y en a qui ont essayé tous les bancs ont été essayés par les mecs dans leur. T'arrives toujours à trouver un mec qui a essayé un truc un peu bizarre et qui va te dire à terme si c'est solide, pas solide, etc. Un peu comme dans tous les milieux, hein, dans la photographie, les mecs vont te dire sur le court terme, sur le long terme, etc. Mais en muscu, non. On pleure pour des likes et pour faire un transfert de 20 euros pour un programme. Donc désolé de ne pas pouvoir répondre à ta question, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande. Pareil, les gens se disent, tiens, mais comme ils connaissent bien le matos, ce qui n'est pas tout à fait exact, je connais bien le matos que je peux voir, parce qu'il y a beaucoup de matos, en particulier les petites marques américaines qu'on ne peut pas voir. Et l'année dernière, on les a vus indirectement grâce aux copies chinoises. Mais c'est difficile de vraiment faire le tour de tout ça. Et le home gym, je vais pas te dire que je connais. Ouais, moi je connais tout. Ouais. Non, je connais très très mal, paradoxalement, le home gym. Les 3DS de Warrior Gear est excellent. Ah, comme protège-dents. Mais c'est pas celui dont on parlait hier, la marque qui sponsorise Brian Shaw. Tu utilises quoi comme chaussures? Ben, je te dis, comme j'ai dit, des chaussures de squash, de prix, pas les premiers prix, mais de prix modeste. Je trouve que c'est le meilleur compromis pour faire à peu près tout, tout en un. Des chaussures de squat, ouais, c'est ça. Alors, il y a un lien. Non, mais justement, c'est exactement les chaussures que j'aime pas, le lien. Mais après, si les gens aiment bien. Mais après, faut avoir les chaussures pour faire du squat, les chaussures pour faire du machin, les chaussures. Tu te rends compte que tu as oublié les chaussures, ton jour de squat, tu as oublié tes pompes à squat, tu dis, mais ah, putain, tu. Alors, c'est les extrêmes par de la vie derrière. Non, ben non, on a dit que c'était du Panatta. C'est des chaussures surélevées de chez Nike. Ah, ok. Mais donne-moi le prix aussi. J'imagine que. J'imagine que. C'est gratiné. C'est toujours ça le problème. Hein. On peut payer des bonnes pompes, mais est-ce que ça vaut le coup de. Alors, j'ai laissé passer. C'est pas facile de. Ça n'inclut pas chacun ses domaines, mais le souci, justement, de tester. C'est chaud. Ah oui, non, mais le home gym, faudra aller un peu chez Decathlon, mais je pense que. Et puis après, on a quand même ce pour quoi on paye, quoi. Si tu prends vraiment le premier prix, il ne faut pas s'étonner qu'après, t'es. Mais il y avait une marque, mais alors je ne sais pas ce qu'elle vient. Là, c'était solide pour les bancs. Leur banc, c'était un tank. La marque qui sponsorisait le magazine comment de muscu français qu'on a en ligne gratuit, le terme quelque chose fitness, le titre m'échappe. Et dedans, il y avait une marque de home gym, mais je sais pas ce qu'elle vient. Mais leur banc, par contre, là, tu pouvais y aller. Hein. Il était
200 fois trop solide pour ce que les mecs feront en home gym. Donc, il ne te pètera pas, il pètera pas pendant que tu fais du développé couché. Donc là, tu pouvais y aller. Alors, mais c'est vrai que le home gym, c'est typiquement ce qu'il faudrait tester. Mais c'est ce qu'il y a de moins facile parce que souvent c'est vendu par correspondance. Puis tu te dis, comme ils ne viennent pas sur les salons, s'ils étaient massivement sur les salons, il y a Body Solid sur les salons, mais c'est tout. Et encore, à chaque fois, on ne voit pas. Ils te présentent leurs nouveautés en général sur les salons, ils ne te présentent pas forcément les trucs de base. Alors rien sur le web, pourtant j'ai cherché, mais alors je sais pas par rapport à quoi. Ah, sur ton banc. Bah si, ceux qui font le plus de trucs, c'est les Américains, mais le problème c'est qu'ils vont recommander des marques américaines. Alors pas chères américaines, mais ça va te coûter la peau du cul. Mais il y a des mecs qui font des tests comme ça de trucs de home gym. Bon, ils parlent surtout des nouveautés, mais ils parlent aussi de la base. Et... Il présentait d'ailleurs un banc d'un mec qui se fout bien de la gueule du monde, le mec qui a écrit Starting Strength, qui a vendu un banc. Ah, ok. Yeah. Ok. Bon. De toute façon, la fin de l'entraînement. Je sais plus. Ah oui, le mec, il vendait un banc. C'était une planche de bois. Et puis sûrement qu'il te dit ouais comme ça fait mal c'est plus hardcore t'auras des meilleurs gains musculaires. Moi j'ai le principe diamétralement opposé, c'est que plus t'es confortable plus tu peux justement exprimer ta force et pousser. Alors que si t'as et c'est vraiment, je rigole pas hein, vous avez regardé son banc, c'est un morceau de bois le dossier, il n'y a même pas de revêtement, il n'y a pas de sky, il n'y a rien du tout. Le mec, il a mis un morceau de bois. Et le mec, il racontait qu'il s'était pris une écharde. Mais donc, c'est pour ça, l'Américain, il est très bon pour se foutre de ta gueule. Donc, il faut l'apprécier pour ça, quoi. Mais donc, il y a des chaînes YouTube de mecs qui parlent beaucoup de home gym, mais ce sera beaucoup des trucs qui ne sont pas forcément facilement accessible, bien que ça le sera sûrement de plus en plus, mais le prix du transport, le problème c'est que au poids on y perd à faire venir des trucs des États-Unis, mais et c'est la vie. Mais bon, déjà sur photo, si tu regardes un paramètre intéressant, évidemment t'as les mesures, mais pour comparer, par exemple t'achètes deux bancs, tu regardes le poids total du banc. Parce qu'avec un peu de chance, plus il est lourd, plus il y a de matière, plus il est solide. Le banc dont je te parlais, là, de la marque française de home gym, il pèse une tonne. Et même du matos professionnel, il n'y en a pas qui était aussi solide que ça. Tu travailles toujours sur des machines, mais avant, tu étais plutôt... Ah merde! Faut que j'avance parce que je vois pas la suite. Ah merde, et ça avance trop vite évidemment. Hop. Alors, et là, bon, j'ai du mal à avancer. Tu travailles toujours sur des machines, mais avant tu étais plutôt sur des poids libres. Bah, quand j'étais chez moi, oui, mais dès que j'ai pu me barrer de mon home gym justement. Mais enfin, même chez moi, j'avais acheté un banc Veder. Avec, c'est bête qu'il n'y avait pas toutes ces vidéos, tous ces trucs-là à l'époque, parce que j'aurais filmé, mais j'avais quand même un leg extension, un leg curl, et puis une poulie. Donc très tôt, même en home gym, j'avais essayé de m'orienter vers des machines. Et puis après, dès que j'ai pu me barrer, je suis allé au VDR. Donc au VDR, tout n'était pas bon en machine, mais... Déjà, j'étais content d'avoir les premières machines. Et puis après, donc oui, je me suis entraîné avec poids libre au début, mais pas par passion ou par... c'était parce que j'avais pas le choix.
pour trouver une salle de muscu, je ne sais même pas combien j'aurais eu. Peut-être qu'il fallait rouler 1 heure de bagnole. Peut-être que, ouais, peut-être qu'en roulant, allez, soyons gentils, il n'y avait pas beaucoup de feux rouges à l'époque, mais il fallait peut-être que je roule 30, 40 minutes de bagnole pour trouver une première salle toute pourrie aux alentours de chez moi. Donc, j'avais pas le choix, comme j'avais pas le permis, etc. J'avais pas le choix que de m'entraîner chez moi. Donc, je me suis pas entraîné avec poids libre pour, si j'avais pu commencer directement sur machine, je m'en serais porté que mieux. Parce que si vous aviez vu comment je faisais du squat, parce que j'avais une petite barre toute con de 28 mm, des poids en béton, donc qui prenaient beaucoup de place, ça fait que j'avais acheté des câbles, donc je chargeais la barre à fond, ce qui n'était pas beaucoup. Enfin, la barre était chargée à fond, mais réellement, c'était pas beaucoup de poids. Et donc, j'avais acheté des câbles et j'accrochais je passais les câbles dans le trou des poids et je faisais une boucle. Ça fait que j'avais et le poids de la barre et le poids sur des câbles qui branlaient pour faire du squat, par exemple. Et c'est marrant parce que je revois les mecs, ils font ça aujourd'hui. Ils accrochent des kettlebells à une barre pour faire du, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, pour faire de la pathologie plus rapidement, surtout. Mais comme quoi, la connerie. Alors, dis-moi en même temps que je t'écrivais, bon. Oui, c'est ça, 160 euros les Romalo, 200 euros, 200 euros une paire de pompes, t'as intérêt qu'elle soit belle quand même, pour faire de la muscu, c'est typiquement dans l'effet de mode, parce que je pense pas que par rapport à une paire de pompes, disons de 50 euros, du genre squash dont je parlais, je suis sûr qu'on peut en trouver même un peu moins, je suis sûr qu'elles sont pas 4 fois mieux, t'es pas 4 fois plus efficace, 4 fois plus en mesure de pousser, etc. Comme j'ai expliqué avec les protège-dents. Un protège-dents vraiment de force à 30 et quelques euros est beaucoup mieux qu'un protège-dents à 2 euros, effectivement. Mais de foutre 200 euros dans une paire de pompes, à part pour jouer le pan à la salle de muscu, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, ça peut avoir aussi un intérêt. Si toutes les nanas elles voient que tu as des belles pompes et puis que tu dragues comme un fou, ça peut être un investissement, mais pour prendre des pecs, je demande à voir. Être très compétent grâce à votre expérience. Les produits, apprendre qu'on progresse. UBS. Alors UBS, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Une marque bleue. Ah voilà, ah d'accord, la marque, oui, le Fitness Mag, voilà, bah, c'est possible que ce soit UBS, effectivement. Alors, je ne sais pas ce qu'ils viennent. 3D, c'est le protège-dents de pas mal de mecs qui font. Non, c'est ce que j'expliquais hier. 3D, c'est pas le protège-dents de beaucoup de mecs qui font. C'est que 3D, ils ont commencé à sponsoriser Brian Shaw et peut-être d'autres d'ailleurs. Et à partir de là, j'aurais préféré que ça vienne de l'autre sens. Que protège-dents et que du coup il autorise. Mais faut toujours se méfier quand ça va dans l'autre sens, que les mecs ils sponsorisent un mec pour faire connaître leur produit. Donc je dis pas que c'est mal, mais je me méfie quand même. Et comme j'ai dit hier, le choc docteur, moi il me convient très bien, et l'avantage c'est qu'il est quand même très très solide. Je peux donner une expérience de retour. Moi qui serre beaucoup les dents, et puis j'ai dit l'Under Armour, je le broyais en 2 temps 3 mouvements. Mais le choc docteur, justement, j'en ai fait tout un stock en me disant que ça allait pas durer, et puis finalement il dure, et puis j'ai justement un protège-dents de Brian Shaw, et j'ai pas utilisé parce que comme le choc docteur, il est encore tout à fait viable. Voilà. Ah non, c'est pas PowerTech dont je parlais, c'est bien, ça devait être UBS. PowerTech, bah c'est PowerTech, l'avantage c'est solide, donc je pense que c'est durable dans le temps. Le problème c'est que ça prend un peu de place,
Après, c'est toujours ça. Il n'y a pas que le prix dans le home gym. Le problème, il y a le poids. Parce que les mecs qui sont en immeuble, tu peux pas. Et il y a la place. La place, c'est ce qui manque toujours. Donc, est-ce que au centimètre carré, est-ce que l'investissement est bon? Et le problème de PowerTech, c'est que c'était pas convergent. Alors, ça va peut-être le devenir un jour, mais sinon, c'était solide, etc. Pour commencer, surtout si tu arrives à le trouver d'occasion, ça vaut le coup. Bah moi aussi, les versions suivantes, le 3D, il y a des versions. Moi, j'aime bien avoir la mâchoire qui est libre. Et l'autre, j'ai l'impression qu'ils prennent plus la mâchoire. Voilà, le banc, le chip. Ben non, d'après ce que le mec il disait, le banc, il n'était pas cheap du tout. Je crois qu'il était assez cher. Parce que l'Américain, quand il te la met profond, il va vraiment très, très en profondeur. Hein. Non, d'après ce que. Alors, j'ai pas cherché plus que la vidéo que j'ai vue, mais le mec, bon, non seulement disait que c'était juste une plaque de bois de merde en plus, mais c'était très cher. Enfin, très cher pour ce que c'était. C'était même pas dans les premiers prix ou. Toi, du low cost, hein. Non, non. L'Américain, quand il te la met, il fait les choses bien. Hein, tu peux compter sur lui. Hein. Au final, c'est moins cher d'avoir une dent éclatée. Ah, oui, que faire. Bah, et puis, c'est moins de douleur, c'est moins. Et puis, même sans t'éclater les dents, tu vas te niquer les mailles. Hein. Donc, des caries plus facilement, etc. À long terme, tu vas te. Sans en arriver à se péter une dent, tu vas t'abîmer les dents. Et la nature va faire que de cette petite faiblesse que tu as créée, tu vas créer des pathologies. Mais pareil, c'est à terme. Bon, c'est exact pour le poids. Bah oui, je connais toutes les problématiques. Alors, je ne connais pas le matériel home gym spécifique, mais je connais toutes les problématiques, par contre, du home gym. Et puis, il y a un autre problème, mais qu'on rencontre moins avec le home gym, par exemple, là, sur les machines Panatta, c'est que, ou plus généralement, les machines européennes, je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur ce concept, c'est qu'elles ne se démontent pas, ou très peu. Par exemple, celle-là, là, on voit un exemple. Alors, ça va si tu es une salle que tu es au rez-de-chaussée avec des grandes ouvertures, etc. Tu rentres la machine comme ça, boum, elle arrive sur une palette qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Tu la rentres comme ça et bim, on t'en parle plus. Mais déjà, si tu es à l'étage, pour la passer, il faut un escalier géant ou un ascenseur géant. Et tu vas te faire chier. Et là, elle passe pas dans une porte. Je vois pas comment elle passerait dans une porte, cette machine. Donc ça, c'est aussi une problématique du home gym. C'est ce que je dis toujours, tu regardes. Est-ce que la machine se démonte? Est-ce qu'elle va passer dans une porte? Est-ce que si tu es à un étage, tu vas pouvoir la soulever avec deux, trois copains, etc. Donc, c'est tout des problématiques. Mais bon, eux, ils ont. L'Européen, il a plus opté pour des machines qui ne se démontent pas. Alors, je me demande s'il n'y a pas des options sur certaines machines. Tu peux les demander en version démontable. Mais il faut toujours quand même regarder avant d'acheter quoi que ce soit. J'avais lu sur un forum, le mec il était tout content d'avoir acheté une machine et puis quand elle est arrivée chez lui, et ben, elle est restée dans le jardin parce qu'il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas la rentrer. Donc le premier réflexe à avoir, c'est est-ce que ça se démonte? Et en général, quand ça se démonte, c'est même au pire, si tu le démontes un peu comme les trucs IKEA, tu le démontes, tu le remontes, tu niques les boulons, ça se rachète très facilement. Mais par contre, un gros avantage si tu as un home gym, c'est d'être un peu bricoleur. Parce que j'avais fait une vidéo justement d'un mec qui essayait de monter son home gym et puis qui savait pas ce que c'était la bague pour anti-dévissage. Et il savait pas, voilà le bout là. J'essaye de comprendre comment la caméra elle marche, mais c'est pas une logique très facile. Voilà le boulon là. Le mec il savait pas, il avait essayé de le serrer à la main,
Et puis il s'est aperçu que c'était un peu dur. Il se demandait s'il fallait le serrer plus ou non. Donc là, si t'en es à ce niveau-là de bricolage, tu vas être dans la merde pour un home gym. Par contre, si tu te bricoles, si le mieux en plus, si tu soudes, miracle, tu peux toujours acheter des trucs de base et après les améliorer, les renforcer, etc. Mais si tu bricoles pas et que, alors tu peux le devenir, tu peux grâce à ton home gym, tu peux devenir bricoleur, mais t'as un très très gros avantage si t'es un peu démerdard avec des outils pour un home gym. Le mag, voilà, c'est ça, Fitness Mag. Et la marque, c'est pas PowerTech, la marque. C'était bien UBS ou... Je sais pas ce qu'elle devient. Alors, j'essaye d'avancer, mais j'y arrive toujours pas. C'est pas facile. Voilà. Je reprends la main. Mais il faut que je trouve une combine pour faire bouger les messages, ce qui est mieux que... C'est quoi les avantages par rapport au poids libre? J'imagine les machines, ben, c'est décrit en long, en large et en travers dans la méthode 2 et la méthode 3. Donc je ne vais pas revenir dessus. Merci de les avoir lus. Qui vois-tu gagner l'Arnold Classic? Ben, je pense qu'il y en a qu'un qui peut gagner l'Arnold Classic. C'est, ben, ça y est, le nom s'échappe, mais c'est celui qui aurait dû être Monsieur Olympia l'année dernière, Ronnie Winkler. Donc, le favori. Ne trouves-tu pas l'envie de plus aider les gens qui s'entraînent mal? Non, pas du tout. Des aider en direct dans ta propre salle? Ben, je veux bien les aider, mais à un coût horaire qui sera du genre 150 à 200 euros. Donc, il n'y en a pas beaucoup de l'heure. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui voudront. Et si tu trouves ça cher, essaye d'aller voir un avocat, un notaire, un truc comme ça, un truc un peu spécialisé, tu verras que c'est pas... Mais non, déjà dans les bouquins, déjà si tous les mecs avaient lu le bouquin, et quand je dis lire, c'est pas juste le feuilleter et regarder les dessins, c'est de lire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et d'y revenir périodiquement, c'est ça que j'appelle lire. Merci, j'ai aussi pensé à Fitness Mag en animal, c'est une marque. PowerTech. Ouais, c'est jaune et pas. Ben justement, je sais pas ce que, si quelqu'un sait ce que devient la marque. Seulement, quand tu pousses sérieusement, je vois des mecs arriver à la salle avec une panoplie complète. Ben, faut bien commencer quelque part. Tout le monde peut pas commencer à pousser 200 millions de kilos. Mais même si tu pousses pas beaucoup, ça suffit pour te niquer les dents. Hein. C'est pas 200. T'es pas obligé de commencer à t'inquiéter pour tes dents à 200 kilos. Si t'es de nature à serrer les dents comme moi quand je pousse, tu vas les abîmer dès le premier jour avec une barre de 3-4 kilos. Et le pire, c'est quand t'as les dents du haut qui ripent sur les dents du bas. C'est ouf. Alors et ça t'a niqué ta série. Et avec le protège-dents, justement, ça n'arrive pas. Alors, c'est les machines bleues, voilà, c'est ça. Et qui sont convergentes. Mais je parlais de leur banc. Ah oui, mais alors, je ne connais pas les syndromes de mâchoire, je ne sais pas, je ne les connais pas trop. Oui, non, mais c'est le problème, c'est que tu achètes les profils et puis si tu connais pas un soudeur et qu'il faut le payer, au final, ça va te coûter plus cher d'avoir un banc qui est pas forcément terrible si ton soudeur il comprend pas vraiment ce que tu veux ou il en a rien à foutre, que d'acheter. Le mieux, c'est d'acheter un truc, même si c'est pas terrible, et de le renforcer après en bricolant. Ou de le modifier. Un lien vers ta chaîne, la mienne ou pas la mienne? Alors, connaissez-vous la marque sportive
Non, FF, non, ça me dit rien. J'ai entendu dire que la créatine augmentait l'espérance de vie des souris, bah, pas seulement des souris, de beaucoup d'animaux. Alors, ils testent sur des animaux qui ne vivent pas longtemps. Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est une espérance de vie en moyenne de 10%. C'est toujours des moyennes. Mais le problème, c'est que si tu attends. S'ils commencent à donner, déjà ils donneront pas à un enfant, mais si ils donnent à un adulte de la créatine pour voir s'ils vivent plus longtemps, tu auras les résultats dans 60 ans. Donc ça n'intéresse pas grand monde. C'est pour ça qu'on utilise des animaux qui vivent pas très longtemps pour quand même, au bout d'avoir quelques années, d'avoir des résultats. Ne sais pas si la marque existe encore. Ton nom est un critère, ben oui. En maison, déjà, t'as pas le problème de l'appartement en hauteur, parce qu'il faudrait pas que ton home gym il se retrouve à l'étage du dessous. Donc déjà en maison, mais en maison, un autre critère aussi qui est important pour la home gym, c'est la hauteur de plafond, parce que souvent les plafonds sont un peu bas. Et si tu lèves les bras pour faire du développé militaire avec une barre chargée en poids olympique, des fois tu peux pas. Et il y a du matériel, même de home gym, qui va rentrer difficilement. Alors, ça arrive souvent, par contre, si tu t'entraînes, tu te dis, tiens, je vais mettre mon home gym soit dans une cave, soit dans un garage, qui sont plus bas de plafond que. Donc s'il n'y a plus rien. On va arrêter pour aujourd'hui. Et donc, à demain.